Eh bien, bonjour tout le monde. Une deuxième vidéo de la journée. Voilà, il fait beau soleil et j'en profite. Je lance un appel aux personnes qui ont mon jeu de cartes, le féminin originel. Pourquoi ? Parce que j'ai eu un certain nombre de retours quand même sur la façon dont les personnes l'utilisent, ce que ça leur apporte, etc. Et vraiment, je voudrais plus le faire connaître à de nombreuses personnes qui se cherchent, qui sont en recherche d'elles-mêmes, qui ne savent pas ce que c'est que la spiritualité, sachant que pour moi c'est une ouverture de conscience en fait, et donc qui recherchent quel est leur chemin de vie, est-ce qu'elles ont des dons, comment elles se relient à leur enfant intérieur, à leur adolescent intérieur. Qu'est-ce qui s'est passé aussi dans la vie intra-utérine en lien avec cette matrice qu'elles vivent aujourd'hui, étant donné que ça s'est activé, comme je vous le disais dans la vidéo précédente, lors du confinement, hein, les empreintes de vie intra-utérine qui se sont activées. Et donc, pour toujours, pour ce qui me concerne, aider chaque personne à se retrouver, à se mettre en vie par rapport à ses dons. Et donc, à se faire voir, à se faire entendre. Voilà, donc c'est comme une sortie d'un ventre où chaque personne se sent accueillie ou pas accueillie, touchée ou pas touchée, vue ou pas vue. Voilà, tout ça, ce sont des empreintes présentes entre cette matrice et hors de la matrice. Comment je me sens quand je suis dans cette matrice de conditionnement humain, et est-ce que j'ose en sortir pour devenir un électron libre. Voilà, donc ce sont des passages qui sont sages ou pas sages, c'est pas toujours facile non plus à vivre au quotidien, surtout avec ce qui se passe aujourd'hui entre les masques, les non-masques, les vaccins, les non-vaccins, etc. Voilà, donc tout ça pour en revenir à mon jeu de cartes qui est un vrai bijou d'enseignement pour moi et pour les personnes qui l'ont. Donc je lance un appel aux personnes qui ont ce jeu de cartes, qui peuvent me faire un retour donc sur le questionnaire que je poste ici sous cette vidéo. Vraiment, c'est important pour moi, j'insiste, parce que ça peut permettre à d'autres personnes qui sont sur ce chemin d'éveil ou qui sont déjà bien éveillées et bien à mieux se connaître, à mieux se retrouver, à mieux partager ensemble. Et je vais donc durant cet été programmer quelques ateliers pour à la fois œuvrer et retrouver nos origines en utilisant à la fois ce jeu de cartes, à la fois le Soul College, hein, donc faire son jeu de cartes soi-même. Donc ça s'adresse aussi aux thérapeutes qui ont envie d'avancer, qui ont envie d'élargir leur conscience et peut-être trouver vraiment leur originalité. Voilà, donc n'hésitez pas à transmettre cette vidéo si vous connaissez des personnes aussi qui ont mon jeu de cartes, ce sera avec grand bonheur et plaisir que je recevrai vos témoignages et je vous en remercie bien d'avance. Voilà, je vous souhaite un bel après-midi et puis à très vite.